On utilise la culture urbaine pour créer du lien, intéresser la jeunesse. Le dérèglement climatique, ça touche notre planète, ça touche là où on vit, et il faut faire quelque chose pour réduire ça et faire en sorte que les générations futures aussi puissent avoir tout ce dont elles ont besoin pour vivre sur cette magnifique planète. L'association N2Scrap a été créée par un groupe de jeunes avec trois vocations. Donner de confiance aux jeunes, leur apprendre l'anglais et surtout développer leur culture générale. On utilise la culture urbaine, qui est la culture la plus consommée et la plus appréciée par les jeunes, pour créer du lien, intéresser la jeunesse. Sustainable development. Can you translate in French? On pensait déjà à établir un petit programme sur le thème du changement climatique. Quand on a pris connaissance de l'appel à projet Génération Climat, pour nous c'était un accélérateur et un facilitateur. On ne voulait pas avoir un discours trop alarmiste, donc on l'a vraiment abordé d'une façon à ce que les jeunes puissent se reconnaître dans ce qu'on leur dit, donc leur parler de choses qui sont très concrètes pour eux, se reconnaître et comprendre aussi l'impact du dérèglement climatique à leur échelle à eux. So we have 70% of clothes that we don't wear on a regular basis. What should we waste? Let's believe in fate. Our world will come and stop. Le hip-hop, à l'origine, c'est un mouvement qui a créé par des jeunes conscients qui avaient des choses à dire sur leur monde tel qu'il est, ainsi que son devenir. Donc concrètement, le contenu sur le changement climatique, l'environnement, la consommation, ça existe déjà. Et on essaye aussi d'utiliser beaucoup ça, d'utiliser des icônes, et donc du coup de jouer là-dessus sur ces artistes hip-hop qui parlent de leur alimentation, qui parlent de la surconsommation et de tous ces thèmes-là. On voit, parce que là, du coup, on va avoir pas mal de verre, vu qu'il y a toutes les feuilles. Il faut mettre le bleu aussi, hein. On n'est pas obligé de rester dans les... Ça marche parce qu'on arrive à parler d'un sujet qui est très sérieux, mais de façon ludique, en utilisant des références qui leur parlent et en utilisant leur langage. L'appel à projet, on l'a appréhendé de manière assez fluide et simple dans la mesure où ça a été un petit formulaire à remplir. Donc on a juste décrit notre action, on l'a posté en ligne et quelques semaines, quelques mois plus tard, on a eu un retour positif d'ailleurs. Donc la procédure a été assez simple pour nous et c'est ce qu'on a apprécié. On est un groupe de jeunes qui vient d'horizons divers, avec des expertises, des cultures très différentes, et pour nous c'était tout à fait adapté d'avoir un appel à projet qui rassemble différentes personnes autour du même projet. Pour nous aussi, le fait d'être associé à un programme tel que celui de Génération Climat, c'est un gage de qualité, donc on est très content d'avoir ce type de partenaire, et également de la visibilité. Ah, bon, cool.